It is here in Switzerland that the cocoa bean turned into the chocolate that we know today. But most importantly, they invented the conching machine, the most important machine in the making process of chocolate. It makes chocolate smoother, sweeter, and creamier. But what else makes sweet chocolate so distinctive? Well, today we're going to see how this turns into this. The beans are from the Forastero variety, which has a powerful taste of chocolate with no flowery aromas, a favorite for the Swiss. Fabergé in Geneva sources its cacao beans from Ghana, where they are fermented and left to dry in the sun to bring out their full flavor. Once the beans make it to the factory, which I know is a bit loud, the shells are broken, so François can inspect the beans. C'est une guillotine. Voilà, une guillotine. Pour les fêtes. C'est exactement pareil. Voilà, le casser à moitié, on peut voir dedans. Voilà, et vous sentez un peu une acidité. Ah. Parce qu'elles ont des couleurs différentes, ça voilà. Veut dire quelque chose? Ça veut exactement dire ça. Vous voyez, on voit quelques fèves violettes. Dans la fermentation, dans le bac, il y en a certaines qui ne sont pas chauffées, qui ont mal fermenté. Brown color beans are ideal, while the violet ones are more acidic. But not all the acidic beans are tossed out. About 30% of any batch of beans are violet, because maintaining some acidity is important for Swiss chocolate at this stage. C'est quand même très acide. After they're cleaned, here 300 kilos of cacao beans are roasted in the cylinder at 135 degrees Celsius. Attention, ça fait chaud là. Wow, ok, ça fait très froid ce matin. So. La fève, c'est un peu comme les amandes. Ou le café. Ce qu'il faut, c'est on le torréfie à quelques secondes près et après, il faut vite le faire refroidir. Parce que si on laisse une grosse masse chaude refroidir toute seule, elle continue à cuire. Mais là maintenant, elle est torréfiée. Ce qu'on veut, c'est une belle couleur. On veut la peau, on veut une peau qui craque. Vous voyez, elle craque. Uh-huh. On l'entend. Elle craque et ce qu'on veut surtout, on le voit à l'intérieur, c'est qu'elle soit bien torréfiée à l'intérieur. Et donc elle amorce déjà une belle couleur de chocolat. Et l'odeur, surtout c'est l'odeur. C'est vraiment l'odeur du chocolat. On va garder quand même beaucoup d'acidité quand même. Hein. Mais avec le. Garder les goûts de la chaleur de la torréfaction, voilà. On donne un peu plus l'impression du chocolat. Exactement. Voilà. D'embrasse qui est chaud. Mais là, il n'y a pas de sucre. Hein. C'est un fruit qui n'a pas de sucre. Hein. Regardez comme elle est belle. On a déjà la couleur du chocolat. At the end of the roasting, the cocoa nibs should separate easily from the shell, called the husk. To do that, Fabergé uses this machine from 1937. It works by cracking the beans and then blowing away the husks with a fan. François takes us to another level of the chocolate factory. Here, the nibs that we have just extracted are being ground. The grinding process actually starts to change the composition of the cacao bean, which is mostly made up of fiber and fat. In the raw bean, the fiber coats the fat. At the end of the whole making process, it will be the fat coating the fiber, creating a silky smooth chocolate. Ça écrase ça. Et ça descend comme une pâte. Ça fait comme une pâte. Donc on voit la matière grasse. Elle ne bouge pas sur la cuillère. Non, elle est encore. Il y a beaucoup de fibre. Et il y a encore beaucoup de matière grasse emprisonnée dans la fibre. Et donc c'est encore trop épais. Ça va passer dans les machines pour vraiment faire ça beaucoup plus fin. The fat might still be trapped in the fiber, but heating it up in the grinding process has definitely brought its acidity to life. Oh, ouh! C'est très fort, hein? Voilà, ça un peu l'odeur, la même odeur du liqueur, en fait, de l'alcool. On appelle la liqueur de cacao, d'ailleurs. The liquor form marks the end of a lonely road for our chocolate. This mixer contains about 750 kilos of chocolate liquor, powdered milk and sugar. The Swiss first combined milk with chocolate in 1875, but they learned it was better not to use liquid milk because the liquid and the fat do not bind. So they opted for powdered milk, giving chocolate a smoother texture. François uses whole milk with at least 26% fat for his milk chocolate recipe here at Fabergé.
Et encore dans les fibres, on voit encore les grains de sucre. On voit encore beaucoup de... Voilà, vous voyez les grains de sucre. Donc ça ressemble pas du tout à un chocolat encore. Bah, les goûts, on peu. Se rapproche. Et en fait, je sens qu'il y a du lait, il y a les sucres. C'est beaucoup différent de ce que nous avons goûté avant. Mais il y a toujours un peu d'acidité. Toujours. C'est toujours un peu amer. The conveyor belt is leading our chocolate to a roller. This is yet another step to refine the paste. They measure the size of the tiny particles of fiber in the paste down to the micron, which is 1/1000th of a millimeter. The tiny particles in our chocolate paste are now at 300 microns, and the goal is to refine them to as little as 18 with these rollers. The way to know if the chocolate is at the right micron level is a fluidity test. Here, Hervé is mixing it with paraffin for the test. Et là, on est là-bas, on était à 300 microns. Ça s'affine. Et ça commence à avoir la même texture de, voilà, de chocolat que je connais. Here we go, 18 microns. The paste is perfect to go ahead with the conching. Before the machine was invented, chocolate makers struggled to give chocolate a velvety texture, and instead their final product was coarse and dry. Now conching works with a combination of grinding and mixing movements. It's done in two stages in two different conching machines. In the first one, the chocolate is still dry and almost looks like a powder. Donc là, à ce niveau-là, c'est pour ça que c'est aéré. C'est pour vraiment concher, c'est-à-dire vraiment sortir la matière grasse de la fibre et en même temps évacuer l'acide, donc c'est constamment brassé. Oh, okay. Voilà, et toujours chaude, sinon ça bloque. Faut que ce soit chaud mais pas trop chaud. Pourquoi? Parce que trop chaud ça cuirait la poudre de lait, la caséine, la caséine de la poudre de lait, et si on la cuit trop elle va avoir le goût de miel ou de caramel. In the second conching machine, the acidity is removed and the fat is extracted from the fiber, making the paste smoother. In total, the conching can last from 8 hours up to a whole day, depending on how the paste responds. Voilà. Donc là, vous voyez la masse, elle est plastique. Oui. Elle est élastique. After conching, the paste will still be a bit thick. So, based on its fluidity, Hervé will run another test and add some cocoa butter. Cocoa butter is nothing more than the fat we've been talking about this whole time. The chocolate conches for another 40 minutes and then it's ready. But just to make sure that the fat is coating the fiber the way we want it to, let's run another fluidity test. Wow, le test de fluidité est passé. Le test est passé là, c'est bon? Of course, no tour of a chocolate factory is complete without a visit to the chocolate atelier. Donc ça sera comme ça, celui qu'on est en train de faire, voilà, il sera comme très ça. Lisse. Voilà, très lisse. Fantastique. François and his team create everything from small chocolates to these big chocolate cauldrons embellished with Geneva's coat of arms. They are called marmite and they are eaten in the city's Fête de l'Escalade. But as much as I would like to attempt making my old cauldron, my chocolate making skills are not at this level yet. So François decided it's best to go for a simple bar. Ah non, je voulais faire un travail de précision, non. Non, non, c'est... Ah, ça c'est simple. Oh, ok. Il n'y a pas... Allez-y, il n'y a pas, ça va faire une tablette. Ah. Et maintenant, ben, vous mettez les fruits, il y a des noix et puis des pistaches. Donc ça, ce sont des griottes, vous avez des amandes, des noisettes. Ouh. Santé. J'aime beaucoup. Hein. Ouais. J'adore le goût de chocolat au lait. C'est vraiment différent de ce auquel je suis habituée. Normalement, le chocolat au lait, on goûte beaucoup les sucres, le lait. Mais ici, c'est vraiment un goût plus doux. Peut-être que c'est le lait entier, non? Je sais pas, c'est propre à la Suisse. On aime bien ce chocolat.
J'aime beaucoup. Et comme vous disiez, c'est vraiment lisse sur les palais, il n'y a rien du tout. Ouais. Je suis très satisfait de ma chocolatière. Merci.